Notre chronique équipement est une présentation de Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Maintenant à Belleuil et au quartier des 30. C'est un secret pour personne, chaque compagnie de bâtons souhaite révolutionner le monde du golf avec de nouvelles technologies. Chez Callaway, on a réinventé la forme de la face d'un bâton afin d'augmenter la vitesse de la balle après l'impact. C'est ce qu'on appelle la technologie Flash Face. Callaway ont utilisé un superordinateur qui travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pendant 4 semaines pour produire 15 000 simulations différentes à propos de leur face. Le résultat de toutes ces simulations faites par ordinateur a donné naissance à un design de face de bâton vraiment unique. Regardez ici la topographie de cette face. Un ingénieur n'aurait pas pu dessiner un modèle de genre. La technologie est disponible sur le Epic Flash puis Epic Flash Sub-Zero dans les drivers et les bois d'alliés. Le bois numéro 1, Epic Flash, propose également une autre technologie, le Jailbreak. Les barres internes Jailbreak raffermissent et stabilisent la couronne et la semelle, ce qui place une plus grande charge à l'impact sur la face pour favoriser une vitesse de balle plus élevée. La face se déforme un petit peu plus, la balle un petit peu moins, puis avec ça, on a une meilleure vitesse sur la balle de golf. Avec la stabilité de Jailbreak, l'effet trampoline dans la face arrive un petit peu plus vite. Alors, plus de distance, plus de vitesse. Juteuse, elle. Ouh! Ma plus longue aujourd'hui, 307 yards. 161. Il est aussi possible d'ajuster le poids manuellement afin de changer le centre de gravité du bâton et permettre de donner des effets à la balle. La masse glissante de 16 grammes donne aux golfeurs la capacité de favoriser facilement les crochets intérieurs et extérieurs et les trajectoires plus droites. Les deux technologies vont effectivement donner un petit peu plus de distance aux golfeurs avec une constance qu'on ne trouve pas dans toutes les compagnies. Les bâtons sont offerts avec un loft de 9, 10.5 ou 12 degrés et sont ajustables. En tout cas, il n'y a pas à dire, le Epic Flash de Callaway a su plaire à bien des gens, notamment à ceux qui ont fait le sondage annuel chez Golf Digest. On lui a attribué 20 étoiles sur une possibilité de 20. C'est le seul qui en a obtenu autant. Et personnellement, ben, j'ai eu de bonnes sensations, de bons chiffres. En tout cas, ça a été concluant lors de l'essai. Et ce, même si je n'avais pas nécessairement une tige parfaitement adaptée à mes besoins, je considère l'Epic Flash comme une belle réussite pour 2019.